Nous accueillons maintenant Patrice Béranger, l'entreprise Magellium. Je vous laisse vous installer. Magellium. Voilà, donc entreprise spécialisée dans l'image numérique, le traitement, l'analyse. Vous travaillez pour le spatial, pour la défense notamment. Je vous laisse poser votre question. Merci. Bonjour Président. Donc en 2003, quand on a créé Magellium, on a bénéficié de l'accompagnement de la Chambre de commerce. Alors je tiens à saluer la compétence des équipes qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les actions menées par la Chambre pour accompagner le développement des PME innovantes. D'accord. Donc, ce que je voudrais ajouter, avant de répondre à la question, je veux dire que Magellium est un exemple qui est cité, parce qu'effectivement, souvent cité, parce que c'est une réussite extraordinaire. Et pour nous, avoir été avec vous, à l'accompagnement, à l'initiative au début de Magellium, c'est une grande fierté. Voilà ce que je voulais dire. Et merci pour les équipes. Ce que je voulais... L'innovation, vous savez qu'on est dans une terre d'innovation. Et donc, l'innovation est la condition sine qua non pour que nos entreprises puissent se positionner sur des marchés, qu'ils soient français ou étrangers, dans une concurrence que vous connaissez. Donc là-dessus, la démarche que nous avons, c'est l'accompagnement des entreprises innovantes par un système que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Entreprendre en France, Haute-Garonne, Innovation. Et là, c'est une organisation dédiée à l'accompagnement des entreprises dans le domaine de l'innovation. Où effectivement, dans le domaine de l'innovation, souvent ça peut être assez immatériel au départ en termes d'investissement. Et on a besoin de spécialistes qui soient capables de vous aider à monter les dossiers, de vous accompagner pour trouver des financements, pour passer des accords, etc. Donc c'est le premier point. La deuxième chose qui est importante et qui est une création de cette mandature que j'ai l'honneur de présider, c'est une commission innovation. Nous n'avions pas de commission innovation au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. On l'a créée. Et donc l'idée de la commission innovation, ce n'est pas de faire ce que fait un pôle de compétitivité, ce n'est pas de faire ce que fait un IRT, ce n'est pas de faire ce qui se passe dans les centres de recherche. C'est, encore une fois, de faciliter l'accès à l'innovation. Et je rappelle que l'innovation n'est pas que technologique. Elle peut être commerciale, elle peut être marketing, etc. Et donc cette commission innovation est d'abord et de communication avec les pôles, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, est là pour accueillir des porteurs de projets, des entreprises qui ont des projets innovants, de faire le diagnostic de l'innovation avec eux, de les orienter vers les dispositifs existants. Et nous, de notre côté, nous avons créé un numéro vert innovation. Alors, je l'ai oublié, c'est 0800 quelque chose, avec 862 si je ne me trompe pas. Donc, numéro vert innovation, ça veut dire que chaque entrepreneur, chaque porteur de projet peut appeler ce numéro vert. Il va trouver quelqu'un au bout du fil qui va l'orienter dans sa démarche. Au téléphone au départ. Et ensuite, bien sûr, on peut toujours venir rencontrer les équipes parce qu'on est là pour ça. La deuxième chose qui me paraît importante, on fait des petits déjeuners innovation. Nous avons organisé un au Phuket il y a à peu près un mois. Et donc là, c'est l'occasion de venir présenter donc des pans de financement, d'initiatives autour de l'innovation pour que les entrepreneurs soient sensibilisés à tous les outils, la panoplie qui existe autour du financement de l'innovation, de l'accompagnement autour des projets innovants. Voilà. Et ce qui est important, et ce que je voulais dire aussi, on a parlé des services, on a parlé ce matin, j'ai signé une convention avec l'université, le presse et la recherche, donc ce pays et ce territoire se développera à coup d'innovation. Absolument. Et on peut vous compter sur nous pour nous accompagner. Merci, Président. Merci à toi. Merci. Patrice Béranger, merci. Pour mémoire, je rappelle le numéro que vous évoquiez tout à l'heure, Président, le numéro vert innovation. Il y a du 62 ou pas? C'est le 0831 0002. Ah, 02, c'est 002.